Le corps humain est comme le moteur d'une voiture, et un moteur tourne plus rondement lorsqu'il est bien entretenu et réchauffé. La même chose s'applique à la machine humaine. L'entretien et l'échauffement la rendront plus performante. Quand les muscles, les tendons et les ligaments ne sont pas échauffés convenablement, ils ne sont pas prêts à répondre à l'effort physique exigé par la manutention d'objets. Un muscle à froid est plus susceptible de subir une élogation un déchirement ou une crampe, ce qui peut causer une blessure grave et permanente si la personne persiste dans son effort. Voilà pourquoi il est important de faire des exercices d'échauffement avant d'effectuer toute tâche physique dans votre lieu de travail. Cette vidéo devrait être utilisée conjointement avec la série d'exercices d'échauffement et d'étirement de travail sécuritaire NB, une composante du programme Colonne en forme. Le programme d'entraînement standardisé Colonne en forme a été élaboré pour répondre au nombre élevé de lésions musculosquelettiques squelettiques liées au travail qui se produisent au cours des activités de manutention dans les lieux de travail au Nouveau-Brunswick. Des autres éléments d'appui de cette vidéo incluent une affiche, un guide d'accompagnement et une carte de poche. Lorsque vous aurez appris à exécuter ces exercices correctement, vous pourrez effectuer une séance d'à peu près 10 minutes avant de commencer votre corps de travail. N'importe qui peut apprendre à faire ces exercices, peu importe son âge, sa souplesse ou son état de conditionnement physique. Avant de commencer, vous devez d'abord connaître certains termes et certaines positions du corps, étant donné qu'on les mentionne souvent tout au long de cette vidéo et qui sont essentielles pour votre sécurité. Flexion. Pliez un membre au niveau d'une articulation. Extension. Redressez un membre au niveau d'une articulation. Hyperextension. Étirer une articulation au-delà de sa limite normale de mouvement. Le tissu conjonctif de l'articulation est moins apte à la stabiliser et à la protéger. Une hyperextension répétée mènera à un étirement des ligaments et des tendons et affaiblira considérablement leur capacité de soutien. Dos en position neutre. Position naturelle du dos avec une courbe verticale en S. Posture neutre, maintenir un bon alignement de toutes les articulations, y compris de la colonne vertébrale. Les muscles qui soutiennent les articulations sont les plus forts dans cette position. Un alignement gauche, une position qui n'est pas neutre ou des articulations bloquées nuisent à la force musculaire et risquent de causer des blessures aux articulations. La position debout neutre est le point de départ pour tous les exercices. Se tenir debout avec les pieds légèrement écartés, soit l'un devant l'autre ou l'un à côté de l'autre avec les pieds pointés légèrement vers l'extérieur et les genoux légèrement fléchis. La tête devrait être en position neutre. Pour y parvenir, placez son index sur le menton et pousser légèrement vers le bas. Garder les épaules vers l'arrière, la poitrine sortie et le dos en position neutre. La bascule du bassin fait partie de certains exercices d'étirement, mais ce mouvement doit être effectué seulement si c'est indiqué. Lorsqu'il n'est pas indiqué d'effectuer la bascule du bassin, maintenez la courbure naturelle de la colonne en S. Se tenir debout en position neutre, la pied l'un côté de l'autre et déplacer la hanche vers l'avant en contractant les muscles fessiers et abdominaux. Le dos devrait être maintenant droit. La bascule du bassin peut être effectuée à divers degrés. La bascule du bassin est utilisée pour étirer correctement les muscles de la région lombaire, maximiser les effets de certains étirements de la partie inférieure du corps et neutraliser les effets d'une courbure lombaire excessive. Parfois appelée position de départ, la position accroupie de base est une position athlétique stable qui devrait servir de point de départ pour la plupart des activités de manutention. Cette position permet de placer toutes ses articulations dans une posture neutre, d'élargir sa base d'appui et d'abasser son centre de gravité. Se tenir debout avec les pieds écartés l'un à côté de l'autre et appuyer les bouts des doigts sur le sillon des articulations de larges. Abasser le haut du corps en fléchant les hanches, les genoux et les chevilles. Appuyez légèrement avec le bout des doigts sur les articulations de la hanche afin de pousser la fesse vers l'arrière et de garder le dos en position neutre. Lorsqu'on regarde vers le bas, les genoux devraient être directement alignés au-dessus des orteils à la fin du déplacement. Ne pas oublier de garder le dos droit et aussi s'abaisser seulement à un niveau confortable et stable. Comment loin on s'abaisse dépend de son état de conditionnement physique. Il est maintenant possible de commencer la séance d'échauffement. Cette combinaison d'exercices d'étirement dynamique et d'assouplissement vous préparera pour votre journée de travail. Les exercices d'étirement dynamique ou d'échauffement général des muscles stimulent la circulation sanguine, élèvent la température des tissus corporels et préparent le corps pour l'exécution des exercices d'assouplissement qui suivent. Ils permettront aussi d'apprendre comment reconnaître et corriger la mauvaise posture, apprendre conscience de son corps et à mieux comprendre la mécanique corporelle adéquate requise pour effectuer de façon sécuritaire les activités de manutention. Répétez ces mouvements de 5 à 10 fois lentement et en gardant la maîtrise du mouvement. Abaissement de la tête pour échauffer le côté du cou. Se tenir debout en position neutre, la pieds l'un à côté de l'autre. Ne pas oublier de placer son index sur le menton et de pousser légèrement vers le bas. Pencher la tête de côté, sans forcer, en gardant l'oreille en ligne avec votre épaule. Replacez la tête en position neutre. Répétez de l'autre côté. Abaissement du menton pour échauffer l'arrière du cou. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un côté de l'autre. Placer son index sous le menton et pousser largement vers le bas. Baisser le menton sur la poitrine. Replacer la tête en position neutre. Osement et rotation des épaules. Pour échauffer les épaules, se tenir debout en position neutre, les pied l'un à côté de l'autre, oser les deux épaules vers l'oreille aussi loin que possible, demeurer immobile. puis baisser les épaules. Maintenant, effectuez une souris de cercles avec les épaules, lentement vers l'avant ou vers l'arrière. L'élévation des bras pour échauffer le devant des épaules. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Les bras sont allongés sur le côté. La poignée et les coudes sont légèrement pliés. Lever les bras à la hauteur des épaules, puis revenir à la position de départ. Assouplissement de l'articulation de l'épaule pour échauffer le derrière des épaules. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Les bras sont allongés sur la côté, la poignée et la coude sont légèrement pliés. Levez et baisser les bras à un niveau confortable derrière le dos. grand sec avec les bras pour échauffer les épaules. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un devant l'autre. Effectuez un cercle avec un bras, du même côté que le pied placé à l'avant, vers l'avant ou vers l'arrière. Changez la position de départ pour placer le pied opposé devant et recommencer le mouvement avec l'autre bras. Si vous avez de la difficulté avec l'amplitude de ce mouvement, vous pouvez placer la main sur l'épaule et exécuter la cirque avec le coude. Une autre option est d'exécuter la pendule avec le bras en avant de soi. Pour toutes les activités d'échauffement de la partie inférieure du corps, il est essentiel de connaître ses limites physiques et de se baisser seulement jusqu'au niveau nécessaire jusqu'au point où l'on se sent à l'aise. Le niveau nécessaire de chaque personne est individuel et dépend de sa condition physique. Pivot léger pour échauffer la partie inférieure du corps. Se tenir debout, en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Les coudes sont fléchies à 90 degrés. Faire pivoter un pied d'un côté et faire une rotation du corps du même côté tout en gardant la maîtrise du mouvement. Se servir de l'orteil de l'autre pied comme point de pivot. Faire une rotation de tout le corps pour éviter une torsion à la taille. À la fin du mouvement de pivot, fléchir les hanches, les genoux, la cheville et la partie inférieure du corps. Revenir à la position de départ. Répétez de l'autre côté. Flexion du genou pour échauffer la partie inférieure du corps. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Les mains sont sur les hanches. Maintenant, se placer en position de départ ou dans la position accroupie de base. Ne pas oublier d'abaisser le haut du corps en fléchant les hanches, les genoux et la cheville. Pousser la fesse vers l'arrière et garder le dos en position neutre ou droit. Les genoux devraient être directement alignés. Au-dessus des orteils, à la fin du déplacement. En gardant le dos en position neutre et droit, fléchir et redresser les jambes. Mouvement latéral pour échauffer le devant des cuisses. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Maintenant, Écartez les pieds et se placer en position de départ ou dans la position accroupie de base. Les mains sont sur les hanches. Abaissez le corps d'un côté en faisant porter le poids du corps sur une cuisse. Fléchir le genou de cette jambe en redressant l'autre jambe. Revenir à la position de départ. Ne pas oublier de s'assurer que le genou est directement au-dessus du gros orteil à la fin du déplacement. Gardez le genou fléchi dans la direction des orteils. Répétez de l'autre côté. Mouvements latéraux combinés pour échauffer le devant des cuisses. Élargir votre base d'appui. Une fois à l'aise avec le mouvement latéral, remplacez le mouvement vers le haut et vers le bas par un mouvement horizontal d'un côté à l'autre ne pas oublier de rester baissé et de pousser avec chaque pied d'un côté à l'autre comme un patineur de vitesse aussi gardez le genou légèrement fléchi lors de l'extension de la jambe et s'assurer que le genou de l'autre jambe est aligné au-dessus des orteils mouvement vers l'avant pour échauffer la partie inférieure du corps se tenir debout en position neutre, les pieds l'un devant l'autre. Maintenant, écarter les pieds. Les mains sont sur les hanches. Fléchir les genoux en abaissant le corps vers le sol. Revenir à la position de départ. Changer la position de départ pour placer le pied opposé devant et répéter de l'autre côté. Mouvement vers l'arrière pour échauffer la partie inférieure du corps. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un devant l'autre. Les mains sont sous les hanches. Fléchir le genou de la jambe d'en arrière en baissant les fesses comme si on voulait s'asseoir. Revenir à la position de départ. Changez la position de départ pour placer le pied opposé devant et répétez de l'autre côté. Au besoin, se servir d'un mur ou d'une chaise comme point d'appui pour conserver l'équilibre. Ne pas oublier que le pied avant sert seulement d'appui. Tout le poids doit reposer sur le pied arrière. Mouvement vers l'arrière et vers l'avant combiné pour échauffer la partie inférieure du corps. Une fois à l'aise avec les exercices qui précèdent, enlevez les mains des hanches, fléchir les coudes à 90 degrés sur les côtés et remplacer le mouvement vers le bas et vers le haut pour un mouvement horizontal vers l'arrière et vers l'avant. Il serait peut-être avantageux de tourner le pied arrière vers l'extérieur pour aider à maintenir l'équilibre. Ne pas oublier de pousser avec chaque pied de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. C'est comme conduire sa voiture en ligne droite vers l'avant et vers l'arrière. Changez de direction, apportez l'autre pied en avant et répétez le même mouvement. Si le genou n'est pas au-dessus du gros orteil à la fin du déplacement vers l'avant, avancez le pied en avant afin de s'assurer que le genou est bien aligné à la fin du déplacement. La prochaine série d'exercices d'étirement est conçue pour éliminer la tension dans les muscles. Il est possible de la faire immédiatement après les exercices d'étirement dynamique ou à n'importe quel moment de la journée de travail si on ressent de la douleur ou un malaise causé par une raideur musculaire. Effectuez un mouvement d'étirement jusqu'à ce qu'on ressent une tension dans les muscles et non une douleur. Se détendre et maintenir l'étirement pendant au moins 8 à 10 secondes sans mouvement brusque ou retenir sa respiration. Flexion avant du cou pour éliminer la tension dans les muscles derrière le cou. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un côté de l'autre. Appliquer une légère pression sur le menton avec l'index. Si on ne ressent aucun étirement, prendre la main pour pousser légèrement la tête vers l'avant. Ne pas forcer la tête vers le bas. Mouvement de l'oreille à l'épaule pour éliminer la tension dans les muscles des côtés du cou et du dessus des épaules. Se tenir debout en position neutre, l'appuyer l'un à côté de l'autre, placer son index sur le menton et pousser légèrement sur le menton. Pencher la tête du côté gauche en gardant l'oreille en par rapport à l'épaule. Si on ne ressent aucun étirement du côté droit du cou, tenir la main droite derrière le dos avec la main gauche. Étirez doucement en diagonale. Répétez de l'autre côté. Étirement du haut du torse. Haut du dos, partie postérieure des épaules, bras, mains, poignets et doigts. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre, ne pas oublier de rentrer le menton, amener les bras à l'auteur hauteur des épaules et entrecroiser les mains, les paumes tournées vers l'extérieur. Arrondir les épaules vers l'avant, pousser avec le haut du dos en étirant les bras vers l'avant. Vous pouvez basculer le bassin si vous souhaitez étirer la musse de la région lombaire. Étirement de la poitrine. Poitrine et partie antérieure des épaules. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Ne pas oublier de rentrer le menton. Entrecroiser les mains derrière le dos et coudes pliés. Pointer la coude vers le haut tout en poussant vers l'extérieur et vers le haut avec la poitrine. S'il y a une courbure lombaire excessive, faire la bascule du bassin pour neutraliser le mouvement. Si on ressent de la douleur en entrecroisant les mains, placez la main sur le bas du dos, les doigts vers le bas. Étirement des triceps, partie postérieure du bras supérieur. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre, le menton à rentrer. Soulever un bras au-dessus de la tête en gardant le coude plié. Saisir la partie postérieure du bras. Et appliquez une légère pression vers le bas en diagonale. N'oubliez pas de garder la tête bien droite et rentrer le menton. Il peut être plus facile de saisir la main plutôt que le coude. S'il y a une courbure lombaire excessive, faire la bascule du bassin pour neutraliser le mouvement. On peut aussi se servir d'une main ou d'un mur situé devant la partie supérieure du bras pour pousser le coude vers l'arrière. Étirement des épaules partie postérieure des épaules se tenir debout en position neutre les pieds l'un à côté de l'autre tendre le bras devant vous Placez l'autre main juste au-dessus du coude et appliquer une légère pression pour amener le bras vers l'autre épaule répétez avec l'autre bras S'assurer de garder la main derrière le coude et le mouvement parallèle au plancher. Ne pas pousser le bras vers le haut. Pousser pour amener le bras vers l'autre épaule. Étirement du chat, bas du dos. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Maintenant, se placer en position de départ ou en position accroupie de base. Ne pas oublier d'abaisser le haut du corps en fléchissant les hanches, les genoux, la cheville. Pousser la fesse vers l'arrière et garder le dos en position neutre ou droit. Les genoux devraient être directement alignés au-dessus des orteils à la fin du déplacement. Déposez les mains sur la cuisse presque au niveau des genoux, doigts vers l'intérieur et coudes légèrement fléchis. Gardez le dos neutre et droit pour maintenir la courbure naturelle de la colonne en S. Maintenant, faire la bascule du bassin afin d'étirer la muscles de la région lombaire. Arquer la région supérieure du dos et arrondir les épaules vers l'avant comme un chat qui s'étire au réveil. Cet exercice fait du bien après de longues périodes en position debout. Inclinaison de l'épaule, dos. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Maintenant, se placer en position de départ ou en position accroupie de base. Ne pas oublier de pousser les fesses vers l'arrière et garder le dos en position neutre ou droit. Positionnez les mains sur les cuisses juste au-dessus des genoux, les doigts pointant vers l'intérieur, les coudes pliés légèrement. N'oubliez pas de garder le dos neutre et droit. Pour maintenir la courbure naturelle de la colonne en S. Maintenant, faire la bascule du bassin afin d'étirer les muscles de la région lombaire. Arquer la région supérieure du dos et arrondir les épaules vers l'avant comme un chat qui s'étire au réveil. Ne pas oublier de garder le dos droit. En regardant devant soi, penchez une épaule vers la jambe opposée sans forcer tout en poussant la partie supérieure du dos vers l'extérieur. Répétez de l'autre côté. Étirement abdominal, tout le corps et particulièrement l'abdomen. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Entrecroisez les mains au-dessus de la tête. Les coudes devraient être en ligne avec les oreilles. Étirez les bras au-dessus de la tête comme si on voulait saisir un objet hors de la portée. Arquez légèrement la partie inférieure du dos. Il est possible de garder les pieds à plat sur le sol ou encore de monter sur la pointe des pieds pour maximiser l'étirement. Cet exercice fait du bien après de longues périodes en position assise. Étirement abdominal latéral mus latéraux de l'abdomen. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Lever un bras au-dessus de la tête en gardant le coude en ligne avec l'oreille et la main opposée sur la hanche. Étirez le bras vers le côté opposé du corps comme si on voulait prendre un objet au-dessus de l'épaule. Ne pas fléchir à la taille, seulement étirer doucement le bras au-dessus de la tête en poussant le côté de l'abdomen. Répétez de l'autre côté. Étirement des muscles fléchisseurs de la hanche, partie antérieure de la cuisse. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un devant l'autre. Placez la main en arrière de la hanche de la jambe qui est derrière. Inclinez doucement le corps vers l'avant et soulevez le talon du pied arrière. Si le dos devient arqué, avancez le pied d'en avant davantage. Pour s'assurer qu'à la fin du mouvement, le genou est directement au-dessus du gros orteil et la partie supérieure du corps est en position neutre et droite. Revenir à la position de départ. Changer la position de départ pour placer le pied opposé devant et répéter de l'autre côté. Pour maximiser l'étirement, faire une bascule du bassin vers l'avant. Étirement des muscles jambier partie postérieure des jambes. Se tenir debout en positionnant les pieds l'un devant l'autre. La baisse sort sur la hanche. Effectuez doucement un mouvement du corps vers l'arrière tout en soulevant le gros orteil du pied avant. Poussez doucement le talon du pied en avant vers le plancher, en pliant la hanche. Ne pas fléchir à la taille. Fléchir la hanche. Ne pas oublier de garder le genou. De la jambe d'un avant légèrement fléchie. Revenir à la position de départ. Changer la position de départ pour placer le pied opposé devant et répéter de l'autre côté. Étirement de laine, position debout, cuisse interne. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Les mains sont sur les hanches. Élargir votre base d'appui. Maintenant, effectuez un mouvement latéral en abaissant le corps d'un côté en faisant porter le poids du corps sur une jambe. S'assurer de fléchir légèrement le genou de la jambe tendue. Répétez de l'autre côté. On peut se servir d'une chaise ou d'un mur pour conserver l'équilibre. Si on ne ressent pas l'étirement, Écarter davantage les jambes. Pour maximiser l'étirement, faire la bascule du bassin. Étirement des quadriceps en position debout, partie antérieure des cuisses. Se tenir debout en position neutre, les pieds l'un à côté de l'autre. Si nécessaire, s'appuyer avec une main sur un objet solide pour maintenir l'équilibre. Fléchir les genoux. Et la partie inférieure du corps pour saisir le devant d'un pied. Ramenez le pied vers les fesses en gardant la cuisse de la jambe fléchie parallèle à la jambe qui sert d'appui. S'assurer que le genou est pointé vers le sol. Répétez de l'autre côté. Si on ne peut pas atteindre le devant du pied, saisir la jambe du pantalon ou encore la partie arrière du soulier. Pour assurer une meilleure équilibre, on peut également placer le genou plié sur une chaise. S'assurer que le genou plié ne porte pas son poids. Pour maximiser l'étirement, faire la bascule du bassin. Étirement du mollet. Position de deux parts devant un mur ou une chaise. Les pieds l'un devant l'autre. Le pied avant touchant le mur. Placez la main sur le mur. Inclinez doucement le corps vers l'avant et approchez les coudes du mur en gardant le talons à plat sur le sol. S'assurer que le dos n'est pas arqué à la fin du mouvement et que le genou est aligné par rapport au gros orteil. Si on ne ressent pas l'étirement, écartez davantage les jambes. Aussi, pour maximiser l'étirement, effectuez la bascule du bassin. Une fois confortable avec cet étirement, on peut l'effectuer sans utiliser le mur ou la chaise. Ces exercices d'assouplissement peuvent se faire dans le cadre de l'échauffement avant de commencer un corps de travail ou n'importe quel moment de la journée de travail car on ressent un inconfort à cause d'un muscle tendu. En peu de temps, il sera possible de faire ce programme d'échauffement et d'étirement sans avoir à suivre les directives pas à pas. Car on ressent qu'on peut faire ces exercices de façon sécuritaire. On peut passer à la version avancée de cette vidéo. S'assurer que le genou plié ne porte pas son poids.